Show and Me. Ça faisait penser un petit peu à... On va essayer de refaire ça dans la voix de lui qui fait l'annonce de UFC. And welcome to Beer Show and Me! Non. Avec de même. C'est ça? Ouais, why not? Y a pas UFC, c'est... c'est moi, puis Simon. Yes, sir. Avec nos casquettes, God Beer. We got beer. Beer Show and Bee. You got beer? Oh, we yes. Got beer. We got beer. Yeah. On a une bière à soir spéciale de la Gaspésie. C'est ça? Oui, l'Octan. 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 Je vais te laisser lire la description. Faut que tu fasses ça. L'Octan. C'est ça que j'ai fait. Un petit vieux là-dessus. C'est ça que j'ai fait. J'ai fait ça. Ok, ok, ok. C'est le... Oh, God! Géante rouge. Bon. Rouge. C'est pas un rouge. Oui. Oh! Mais, so far, la bière de la Gaspésie, c'est pas pire. Oui, la dernière qu'on a essayé d'eux autres. Je l'ai aimé, but... Ah! C'est une rousse. Ok. Oh, une géante rouge est l'un des derniers stades d'évolution des étoiles. Cette étape est caractérisée par un gonflement et un refroidissement des couches externes qui émettent une lumière de plus en plus rouge. La géante rouge est une best bitter fermentée avec une levure anglaise. English. Cette bière légère est un reflet rouge orangé, présente une saveur de malt légèrement caramélisée. Oh. Elle est combinée avec une amertume présente mais non dérangeante, provenant du houblon anglais Fuggle. 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 De plus, la levure anglaise lui confère un goût légèrement fruité. Fruité. Et c'est une 4%. Belo. Mais oui, c'est une 4%. Caméra. There you go. There you go. All right. So, encore notre can opener de chez Boudreau. 3,95. Peut-être après avec l'inflammation, whatever. Open the beer. Open the beer. Je n'ai même pas bu en cours, je l'ai déjà. Ça sent bon. Ça sent bon. Alright, on va. Bouteille de glace. Foncé, rousse. Comme tu l'as promis, c'est une rousse. Bien. Yeah. Bing, bing. Ça sent pas pire. Ça sent pas pire. Non, c'est pas vrai. Oh! Oh. J'essaie de la boire à travers mon nez. C'est là-dessus, sniffé. Non, ben, il sniffe la bière. Il sniffe la bière. Ben, ouais, la bonne santé ou pas? Petit goût fruité là? Non. Non. Je suis pas sûr que ça dit là, caramélisé. Là. Caramélisé. Non, il n'y a pas de caramélisé là-dedans. Non, c'est pas la texture, je veux dire. C'est. Pas de la même. Elle est pareille comme l'autre. À rendement. C'est l'aftertaste. L'arrière-goût. C'est comme dit, ouais, lui c'est Simon Cowell, moi je suis Paul Abdul le plus chaud. Je suis difficile. Mais c'est... C'est buvable.
Ouais. Après le deuxième drink, l'aftertaste, ça sent plus. Man, c'est juste l'aftertaste, on dirait, c'est pareil comme si tu mettrais comme une poignée de sel noir dans la gueule. C'est comme... Moi, c'est ça, je goûte. Ouais. Toi, c'est toi. Comme j'ai dit, moi, c'est... Je m'en prends quand même un autre verre. Je vois que je veux dire, voilà. Pour moi, un petit peu fruité, caramélisé, Tu goûtes le caramélisé, non? Ben, c'est caramélisé. Ça veut pas dire que c'est du caramel, là. Non, je sais, but le goût sucré. Pour moi, je parle de le caramélisé, c'est comme le... Ouais, ça, sucré. Le aftertaste, c'est comme l'arrière-goût. C'est comme... L'aftertaste, c'est une poignée de métal. Ah non, pour toi, ouais. Mais, pas mauvaise. C'est comme... Ah. C'est pas comme des scènes noires. Eh bien, c'est des scènes noires. Non. C'est bon. Si je le comparais à d'autres rousses... Ça, et boy, c'est, non, c'est pas, ça goûte pas la même chose que les Isoladel ou les autres rousses. C'est, oui, c'est une rousse, mais c'est, pas, c'est dur à dire. Elle est bonne. Le premier goût est bon. Senteur, je l'ai sniffé, ça c'est bon. mais l'octan, je sais peut-être pas qu'ils ont d'autres bières, là. Qu'on aimerait essayer là, mais so far, c'est pas si bête que ça. Actually, bon, le goût est correct. Ouais. C'est juste, l'aftertaste est pas intense, mais l'aftertaste est là. Ouais, l'arrière-goût, mais presque tout fait sur ma salive. Hey, j'ai sniffé une bière, mais presque tout fait sur ma salive, ok là? Ouais, je sais. Non, elle est correcte. Elle est correcte. Ben, je... Comme tu dis, comme. Prends un drink. Randa. Ouais. T'as l'aftertaste qui te reste dans la bouche. C'est pas. C'est, je sais ce que tu veux dire. C'est le houblon. Ça, c'est pour nous expliquer ça plus tard ou avant. Quoique ça goûte un peu amer, bitter, comme ils disent. Pas vraiment amer. Plus comme. Mais à rendre bien. Ouais. La cuir, je suis pas mal. Elle est foncée. C'est une rousse. C'est une rousse, ouais. Tu vois, un petit peu d'orange. Rousse, non. Mais il y en a encore un peu, là. Fais attention là! Viens envie sur mon orteil! Ah, there you go! Il va falloir que tu suces ton orteil! J'ai pas le fessiche de l'orteil! Rating! Tant, 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 7.5. Oh! Vraiment? Comme je dis, notre Beer Show NB, c'est pas ce que nous autres on pense. Je suis sûr qu'il y a un autre monde de Rimouski. Parce que c'est de Rimouski, là. Rimouski, c'est ça. Ça, tu as donné un 7.5. L'octan. Ouais, ça je dis, comme. Peut-être d'autres mondes qui aiment ça, cette bière-là, c'est comme A1. Mais tout le monde a différents goûts. Comme je dis, moi, c'est à 7.5. Excuse-moi. Pas. Je donnais un 6. Un 6. Juste en cause de l'aftertaste. Mais comme je dis, elle rentre bien. Elle rentre vraiment bien. Ça rentre bien, ça goûte bien. Ouais, comme tu as dit, c'est l'aftertaste. Mais c'est ça que je dis. Là, c'est le.
C'est le laughter, c'est ça. Comme il y a d'autres bières, tu vois la. Quand tu l'avales, t'as déjà l'aftertaste en l'avalant. Et elle vient après. Mm. Oui. Comme, elle est légère, vraiment. Tu prends une drink, elle rentre. Oui. Puis là, après ça, c'est comme, But, le goût est still bon. Oui, c'est comme je dis, moi, je garde ça à 7.5. Moi, j'ai dit un 6. Désolé. J'essaie mon 6. C'est. Comme je dis, peut-être il y a d'autres monde qui aiment, qui adorent cette bière-là. Mais pour nous autres, c'est hein. Mais je peux m'assurer autant à d'autres bonnes bières que tout le monde aime. Mais comme je dis, c'est our honest review, notre review honnête. Ben c'est ça. Notre but, c'est pas de vous juger. Si vous aimez ce bière-là, good. But nous autres, ce que notre but, c'est juste l'essayer. Yeah. Vous dit que ça goûte. C'est ça. C'est pas une personne qui décide. C'est ça, ouais. On est deux personnes qui l'essayent. Un peu, moi. Mais, comme dit, 7.5, 6. Je suis sûr, l'octan. Ben, quand même, c'est un bon rating, pareil. Puis, ouais, mais pour. Je peux m'assurer, octan a d'autres bières, puis il y en a quelques plus. En bas autres. De 5, tu fais attention. Ouais. En haut de 5, ouais. Considère-le un petit peu. Yeah. So, c'est ça que je pense de ça. Ben, merci d'avoir watché. Je souhaite que ça va aider pour la décision. C'est l'octan de Rimouski. Merci d'avoir watché. N'oubliez pas d'aller sur Facebook, nous liker sur Facebook, puis nous follower sur Facebook. Allez sur Instagram, suivez-nous sur Instagram, puis allez sur YouTube, puis abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Puis parlez du monde! Parlez! Si vous avez des amis qui connaissent Bear Show, connaissent pas Bear Show, parlez des amis! Dis allez! Likez! Watchez! Anyway, merci d'avoir watché et à la prochaine!